Ça y est, vous êtes rentrés? Vos enfants aussi? Bon. Et vous allez y mettre quoi d'ailleurs? Dans le goûter de vos enfants pour la rentrée et dans le vôtre. Et si je vous donnais une recette simple, facile à faire, sans gluten, sans produits laitiers, de muffins au chocolat délicieux, ça vous dit? Allez, je vous donne ma recette de muffins au chocolat sans gluten juste après ça. Sur cette chaîne, je partage avec vous mes meilleures recettes sans gluten, sans produits laitiers, pour adopter une alimentation hypotoxique et être en pleine forme. Donc si vous êtes nouveau ici, songez à vous abonner juste ici. Promis, je continuerai à répondre à vos questions dans les prochaines vidéos. Mais là, je me suis dit que vous étiez certainement, comme moi, pris par la rentrée des enfants ou par votre propre rentrée. Et qui dit rentrée, dit goûter. Et peu que pour les enfants d'ailleurs. Moi aussi, je goûte. Mes solutions pour le goûter, c'est de le faire maison. Et c'est là que mes muffins sans gluten et sans produits laitiers interviennent. Car en plus, c'est une recette délicieuse à faire et très simple à réaliser à quatre mains. Ah, je vois déjà les papas et les mamans pressés. Alors ne partez pas, juste après le tuto de la recette, je vous donne 2,5 astuces pour gagner encore plus de temps. Ces muffins sans gluten. Ah, et puis, n'oubliez pas de mettre dans votre boîte à goûter un fruit, ou deux même. Hein. C'est toujours mieux, c'est plus équilibré. Et puis, c'est le moment idéal pour les consommer, les fruits, dans la journée. C'est là qu'ils sont le plus digestes. Vous voulez peut-être mes 2,5 astuces que je vous ai promis en début de vidéo? Ouais, vous n'êtes pas resté jusque-là pour ma tirade sur le goûter. Allez, vous l'avez bien mérité. Les voici. Donc, la première astuce. D'ailleurs, vous vous dites peut-être, ouais, c'est bien beau, mais encore une fois, une recette sympa. Mais j'ai pas tous les ingrédients, j'ai pas les pépites de chocolat. C'est dommage, j'avais envie de la faire à cette recette de Virginie, elle a l'air trop bonne. Tu te la pèterais pas un peu par hasard? Ouais, c'est vrai, j'adore cette recette. Mais bon, c'est pas le sujet. Eh bien justement, je reviens à mon sujet. Vous n'avez pas de pépites de chocolat, c'est pas grave. Au moment où vous allez doser la pâte dans vos moulins, au centre, vous rajoutez un petit morceau de chocolat. Vous avez bien une tablette de chocolat qui traîne dans le placard, ou au pire, un morceau de chocolat de Pâques. Bien au fond du placard, il doit y en avoir. Et puis vous aurez un muffin au cœur fondant chocolat. C'est pas mal aussi. Pépép, je les vois les gourmands. Mettez pas pépites de chocolat et le cœur fondant de chocolat, ça fait beaucoup trop de sucre après. Allez, ma deuxième astuce. Eh bien tout simplement, quand je fais des muffins, je double les proportions de la recette et j'en fais en quantité. Après, rien de plus simple. Je les mets dans une boîte hermétique en verre au frigo. Et puis si vraiment vous avez peur, vous les mettez au congélateur. Mais ça m'étonnerait qu'ils résistent jusque-là. Et c'est quoi cette demi-astuce dont je vous ai parlé? Ouais, ben, alors c'est une demi-astuce, mais c'est ma préférée. Pourquoi? Simplement parce que c'est pas moi qui les fais les muffins. Je ne fais que superviser en cuisine. Et oui, la recette est tellement simple que je mets mes filles d'un côté de la cuisine du temps que je prépare le repas du soir. Comme ça, je suis là pour jeter un coup d'œil, hein, histoire que ma cuisine ne ressemble pas à un chantier. Et puis, je m'occupe de la cuisson, simplement. Voilà, vous gagnez du temps. Hein. Le tout est de garder un minimum de contrôle sur votre temps. Ça vous a plu? Allez, si vous souhaitez d'autres recettes simples et efficaces, n'hésitez pas à télécharger mon e-book gratuit, sans produits laitiers et sans gluten. Et dites-moi si ça vous intéresse, d'autres recettes sans produits laitiers et sans gluten pour le goûter ou pour le petit déjeuner. Ne partez pas, j'allais oublier.
Je vous réserve une surprise d'ici la fin du mois. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, songez à le faire pour ne pas rater cette surprise-là. Allez, à bientôt et en attendant, n'oubliez pas de soigner votre assiette. Pour le produit, pour le petit déjeuner. Solution pour des produits laitiers.